طلب العلم فريضة على كل مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Les enfants, cette parole, c'est une parole très importante. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Tu demandes à Allah de t'aider. Lorsque tu as besoin d'Allah, lorsque tu as besoin d'aide, et en réalité, on a toujours besoin d'Allah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et en réalité, c'est un trésor. Parmi les trésors du paradis. C'est un trésor parmi les trésors du. Paradis. Alors, la question que l'on va voir à présent, est-ce que les extraterrestres existent Non. C'est quoi un extraterrestre Jenna. C'est comme un monstre. Comme un monstre Qui vit sur euh, des planètes. Ah, là, tu m'intéresses. Qui vit sur une planète, on va dire. Tesnim. Je ne pas. Ils sont verts. Ils sont verts, alors là tu me dis comment ils sont. Moi je veux déjà savoir c'est quoi. Qasim euh, Leur voiture c'est des vaisseaux spatiaux. Leur voiture c'est des vaisseaux spatiaux. Euh, on dit qu'ils vont, qu vont sur la Terre, mais non c'est fou. Ah, on dit qu'ils viennent sur la Terre, Rani. Euh, bah, c'est des créatures. C'est des créatures, alors là si je vous écoute, c'est qu'ils existent. Mmh. Vu que vous me décrivez, ils sont verts, ils ont des voitures. Donc, ils existent ou ils n'existent pas Abdullah Ça existe ou ça n'existe pas non. Bah, Tu me dis qu'il vit dans l'espace, c'est que ça existe non, non. Ah, dans les films, dans les dessins animés. Donc, les enfants, ça, c'est un point très important, ce qu'il dit, Kassim. C'est que le musulman, il ne croit pas en tout ce qu'il voit à la télé il ne croit pas en tout. Ce qu'il voit dans les films, ce qu'il voit dans les dessins animés, on ne croit pas en tout ce que l'on voit dans les encyclopédies. Peut-être à la maison tu as des encyclopédies de dinosaures, de d'extraterrestres, ceci, cela. Il n'y a pas de mal à regarder, à lire, à t'intéresser, mais c'est pas parce que c'est dans le livre que c'est vrai. C'est pas parce que tu l'as vu dans un reportage que c'est vrai. C'est pas parce que tu l'as vu à la télé ou que tu l'as appris à l'école que c'est vrai. Non. Le musulman il fait attention à ce qu'il croit et à ce qu'il ne croit pas. D'accord Ce que l'on est certain, sans aucun doute, c'est ce qui est venu dans le Coran, dans la parole d'Allah et dans la Sunnah, dans la parole de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un extraterrestre, extraterrestre, c'est quelque chose qui vit en dehors de la terre. Est-ce qu'il y a des choses qui vivent en dehors de la terre Ben si. Les anges, est-ce qu'ils vivent sur terre ils vivent dans le ciel, ils vivent en dehors de la terre. D'accord Il y a des choses qui vivent en dehors de, de, de la terre. Allah il a créé les anges, il les a créés à partir de, de lumière. Donc ici, mais nous, quand on parle d'extraterrestres, c'est ce que vous avez dit. C'est des ovnis, des petits bonhommes verts ou des petits bonhommes gris qui ont des soucoupes volantes, etc. Et en réalité... Ça, est, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'informations mensongères. Et nous, comme on a dit, et retenez, le musulman, <coughs> il doit vérifier les informations qu'on lui donne. On ne croit pas tout comme comme cela. Et nous, on est certain que les extraterrestres, comme les ovnis, euh, comme on les voit à la télé, les petits bonhommes verts, euh, etc qui habitent dans des endroits, etc., dans des autres planètes et qui vont venir un jour attaquer la Terre et tout détruire, etc. On sait que ça, ça n'existe pas. C'est pas vrai. D'accord? Pourquoi? Comment on peut le savoir? Mais ben très simplement, Allah, tabaraka ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rahmatal lil'alameen. Comme miséricorde pour tous les mondes. Pour tous les mondes. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour les êtres humains, pour les djinns, il a transmis le message. Mais est-ce qu'il a transmis le message aux ovnis, aux extraterrestres Non, si s'ils existeraient, le prophète alayhi wa sallam leur aurait transmis le message. Mais il n'y a aucun texte du coran et de la Sunna qui nous prouve que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message à des petits bonhommes verts, à des ovnis qui étaient en soucoupe volante et qui faisaient la guerre dans l'espace. Non, d'accord. Donc, on retient, on ne croit pas en toutes les choses que l'on euh, non pas forcément que l'on voit, toutes les choses que on nous enseigne. On a notre esprit. Euh, cet, cet esprit qui, qui, qui doit se dire, je vérifie et ce que l'on me dit, est-ce que, est -ce que cela est en accord avec le Coran, est-ce que cela est en accord avec la Sunna Si oui, j'y crois. Sinon, je m'abstiens de dire des choses que, dont je n'ai aucune connaissance. <t en -t -en> Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.